À 1600 mètres d'altitude, ici dans le Piémont, on peut profiter de la neige. La station de Limone fait le plein d'Italiens surtout. 8h40 au départ de Tende, les skieurs français se comptent sur les doigts d'une main. Nous voici chez le principal loueur de matériel de Limone. Claire est venue passer la journée ici avec des amis. Voilà. Grazie. Très détente, je dirais, l'esprit italien qui est forcément un peu plus chaleureux. Depuis la tempête Alex et la fermeture du tunnel de Tende, la clientèle française est en forte baisse, regrette la responsable des lieux. C'est une saison très difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de neige. Il y a 3 pistes ouvertes et puis on a toujours le tunnel fermé. Et nous, les clients qui venaient de la France, c'est difficile, ils vont faire un tour de 3 heures pour arriver à Limone. Le temps de prendre un peu d'altitude, tandis que sous leurs pieds, les pistes s'offrent à nos Françaises, il ne reste plus qu'à en profiter. La station de Limone est en général très appréciée. C'est très chouette, bah, il fait beau, donc on a chaud en même temps, mais on profite du soleil. La neige est bonne, il n'y a que des canons à neige qui fonctionnent malheureusement, mais la neige est quand même agréable. La station italienne se languit un peu des Français, un constat que fait cet hôtelier conscient des difficultés d'accès. Il cherche à capter de nouveau cette clientèle. Limone est toujours une belle ville. Ils ont aimé toutes les fois qu'ils sont venus. Je suis sûr qu'il y a des clients qui veulent retrouver nouvellement notre village. Ils seront contents d'être ici avec nous. Avec des prix inférieurs aux stations de ski françaises, Limone séduit. Le problème, comme ailleurs, reste le manque de neige accentué au fil des ans.